Tais-toi et enseigne. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue encore à votre émission littéraire, votre émission de balade littéraire. 52 minutes de pur bonheur. 52 minutes pendant lesquelles nous allons parcourir la vie artistique, professionnelle et même privée, pourquoi pas, d'un auteur, celui-là que nous recevrons ce soir. Ce soir, nous recevrons quelqu'un qui est déjà passé par ici. À cette époque-là, il venait nous présenter Les Hommes de la Nuit. Ce soir, il nous présente Tais-toi et enseigne. C'est un ouvrage d'à peine 110 pages, mais très riche en enseignements. Il retrace ici le calvaire, ou du moins la vie socio-professionnelle d'un jeune fonctionnaire qui fait ses premiers pas dans la fonction publique, dans un métier d'une certaine particularité. Tais-toi et enseigne est un roman paru en 2018, et paru en 2019, début 2019, aux éditions Proximité. Nous allons recevoir son auteur ici, et nous aurons 52 minutes d'échange avec lui. Je tiens à vous dire que c'est un monsieur prolixe, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de parlotte. Alors, accrochez-vous bien, parce que d'ici peu, nous commencerons cette balade qui sera très riche, je puis vous l'assurer. Antoine Bovazanga, bonsoir. Bonsoir, Junior Alissim. Bienvenue à Canal 7, ou alors dirons-nous re-bienvenue. Merci et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, il faut dire que vous recevoir, c'est une joie quand on sait ce dont vous êtes capable. Alors, Les Hommes de la Nuit, où en est-on? Les Hommes de la Nuit, paru en 2017 aux éditions L'Harmattan, vous l'avez dit, c'est très bien comporté comme premier roman que nous avons publié. Nous sommes en rupture de stock au Cameroun, ça fait du bien de le savoir. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci à Canal 7 et à vous de manière spéciale, parce que grâce à vous, on a pu présenter ce nouveau roman à la communauté internationale. On a pu faire nos premiers pas dans le monde de l'écriture. Merci beaucoup, Junior Alice, pour cette invitation. Il faut dire que c'est nous qui vous remercions. Quand on sait que cette émission, c'est une émission de balade littéraire et que sans vous, vous en tant qu'auteur, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas faire connaître à ceux-là, à ces amoureux, à ces amateurs de l'écriture, de la belle écriture et de la lecture, de s'en délecter. Alors, est-ce qu'il faudrait encore revenir sur les présentations? C'est la question que je me pose. Mais de tout au moins, ce qui est Antoine Bovazanga. Antoine Bovazanga est un jeune écrivain camerounais né en 1982. Il est professeur de français. Il prépare un tel doctorat en lettres modernes françaises, option pragmatique. Il est marié, père de 6 enfants. Père de 6 enfants. Oui. Alors, et amoureux de l'écriture et la lecture. J'espère qu'elle ne sera pas jalouse. Amoureux de l'écriture et de la lecture et la place de l'autre, de cette charmante épouse. Elle a une place centrale. Ah, d'accord. Ouais. Elle sait quand même faire la part des choses quand il faut écrire et puis
C'est-à-dire, entre autres activités, elle sait vous laisser la place que vous donnez aux autres. C'est pour cela qu'on dit en Afrique que seuls les arbres de même taille se laissent traverser les singes. Mmh. Et ça fait du bien de traiter en amour avec quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un de votre niveau scolaire, quelqu'un de votre environnement. Mmh. Et avec mon épouse, on n'a pas ce souci-là. Elle aime aussi l'écriture? Puisqu'elle est professeure de lettres modernes françaises, mmh, elle a un master dans ce domaine-là, naturellement, elle aime la littérature. Mmh. Peut-être aussi des velléités d'écriture? Peut-être qu'elle ne l'a pas encore dit, mais je peux quand même vous dire que tous mes textes sont d'abord lus par elle, c'est ma première lectrice. Mmh. Tous mes chapitres subissent une critique, tous mes titres passent d'abord au pain fin. Une critique objective. Réflexion, tout à fait. Donc j'imagine qu'elle peut être une écrivaine qui ne sait pas encore prononcer, mais elle a quand même des attitudes d'une bonne. Alors je crois que vous pouvez comprendre pourquoi j'insiste sur elle, parce que en fait c'est la semaine de la femme, et donc forcément je ne peux vous recevoir sans que vous ne lui rendiez un certain hommage. Voilà, c'est l'occasion pour moi de lui réitérer tout le grand amour que j'ai pour elle. Et que l'éternel Dieu nous permet d'avancer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bonne fête à Madame Zanga. Bonne fête d'abord parce que c'est une dame, et puis nous entrons dans la mouvance de la fête de la femme. Et bonne fête à toutes ces femmes-là qui, au quotidien, bagarrent pour que nous soyons des hommes accomplis. Et puis, forcément, on va, pendant toute cette semaine, vous rendre cet hommage bien mérité. Alors, Antoine Beauvoir Zanga, après les hommes de la nuit, aujourd'hui, vous revenez avec Tais-toi et enseigne. Tais-toi et enseigne, est-ce un autre à une certaine catégorie de personnes? À la vérité, j'ignore s'il est difficile pour un écrivain de se prononcer sur ses propres écrits, parce que je l'ai toujours dit, chaque lecteur réécrit le livre à sa manière. Mais à la fin du texte, il faut quand même arrêter un titre. Tais-toi et enseigne, c'est une phrase exclamative, c'est une phrase impérative qui résume en quelque sorte le chapelet de souffrance que peut endurer un fonctionnaire sorti d'une école de formation, le cas échéant, un jeune enseignant que nous avons nommé Niekle. Mmh. Je me suis rendu compte, je n'aurai ici à la fin de l'écriture de ce roman-là, que tout ce que je dis est su et connu, que tout ce que je dis n'a pas changé. Et alors, est-ce qu'il faut se taire pour enseigner? On a le sentiment que c'est une réplique, on a l'impression qu'il y a quelqu'un, peut-être des dirigeants, peut-être la société, peut-être les décideurs, peut-être le gouvernement, qui dit à l'enseignant de se taire, et celui-ci se demande s'il doit donc se taire et enseigner. Est-ce qu'on peut demander à un enseignant de ne pas étaler les méandres de son corps des métiers? Est-ce qu'on peut demander à l'enseignant de mener à bien son activité quand il y a quelque chose qui manque à son bonheur? C'est la raison pour laquelle on a pensé à Tais-toi et enseigne. Alors, on aura compris qu'ici, en fait, c'est un message qui s'adresse, ou du moins, ce sont des mots qui sont d'État, qui sont dans une certaine catégorie de fonctionnaires, s'il faut le dire, d'agents administratifs, les enseignants précisément. Pourquoi avoir choisi de parler des enseignants précisément? Est-ce parce que vous en êtes un, ou alors pourquoi ce choix? Karl Marx disait que chaque écrivain est le produit de sa société. Mmh. En tant qu'écrivain, je voudrais traiter des thématiques, je voudrais mettre au devant de la scène les problèmes qui minent ma propre société, la société camerounaise, la société africaine et même la société mondiale. Mmh. Quand on a écrit Les Hommes de la Nuit, on a traité de la question de sorcellerie, on n'est pas sorcier. Maintenant, quand on a écrit Le Retraité, l'Église et les Villageois, c'est une œuvre théâtrale, on n'est pas encore retraité, on n'est non plus villageois. Et quand on écrit Tête ou enseigne, c'est vrai qu'on a une faiblesse de ce qu'on est d'abord enseignant, mais à la vérité, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ce corps des métiers. Je me suis dit qu'il fallait peut-être raconter une histoire pour que les lecteurs, pour que la société, pour que le gouvernement comprennent davantage. Donc on ne va pas voir Niekle ici comme étant une autre facette de votre personnalité ou d'un personnage issu, ou du moins on se limite à ce que ce soit juste un personnage issu de votre imaginaire. C'est vrai que chaque œuvre littéraire traduit d'une manière ou d'une autre une partie de la vie de l'écrivain. Mmh. Parce qu'en réalité, on écrit pour non seulement se défouler, pour se consoler, mais pour résoudre un problème personnel. Vous êtes rendu compte que dans la société, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous dites en écrivant, peut-être que ça va changer. Lorsque Victor Hugo, dans Le Dernier Jour d'un Condamné, va écrire pour s'insurger contre la peine capitale, on comprend tout de suite que c'est un humaniste. Mmh. Et il se dit, si je traite de la condition des prisonniers, si je m'insurge
purge contre la peine capitale en France. Nous sommes au 19e siècle. Peut-être que cela peut s'arrêter. Donc, quand je décide d'écrire « Tais-toi et enseigne », pas parce que je suis enseignant, mais je me suis dit, moi qui suis fils d'enseignant, moi qui côtoie au jour le jour les enseignants, moi qui ai suivi les enseignements et que j'ai vu comment vivent les enseignants, peut-être qu'il fallait écrire quelque chose pour rendre hommage à cette classe sociale, du moins à ce corps de métier. Tais-toi et enseigne, de Antoine Bovard-Zanga, il est notre invité de ce soir. Juste pour préciser que vous aussi qui nous regardez à la maison, vous pouvez participer à cette émission, à cette balade littéraire, en nous écrivant uniquement, hein, uniquement en écrivant au 6 99 80 87 59, que ce soit par SMS ou par WhatsApp. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, vous tapez Littérate ou encore vous tapez Canal 7 Harmonie et vous pouvez retrouver l'émission Littérate et précisément cette émission ou alors les autres émissions. Antoine Bovard-Zanga, alors un bref résumé de ce qu'on peut trouver dans cette centaine de pages que vous nous proposez ce soir. Junior Haïssier, Tais-toi et enseigne, c'est l'histoire d'un jeune enseignant sorti d'une école de formation, école normale d'Undeya, qui est affecté dans un village qu'on appelle Bidima. Du moins, il y a un CS à Bidima. Il est affecté dans ce collège d'enseignement général. Bidima, arrivé là-bas, loin d'un certain village, du moins de Malabo. Oui, qui n'est pas loin de Malabo, justement, parce que le pays, c'est Olindon. Et nous sommes dans le département de Malabo, arrondissement de Bidima. Et il est affecté au CS de Bidima. Lorsqu'il sort de l'école normale, il est l'espoir de toute une famille. Du moins, après sa licence, il faut bien se trouver un emploi. Et lui, il a choisi d'être enseignant parce qu'il suit les pas de son père qui était instituteur. Je rappelle que dans les premières pages du livre, il avait le choix entre présenter le concours de l'ENAM, de l'ESTIC, de l'IRIC et de l'EMIA. Mais il a choisi par vocation, par amour du métier, le concours de l'école normale. Et Dieu merci, il est retenu parmi les milliers de candidats qui avaient cogné à la porte cette année-là. Alors, il est affecté dans ce village. Malheureusement, Junior Haïssin, il va se rendre compte que son rêve sera transformé en traumatisme. Parce que le jeune Nyeklé, qui va passer 33 mois sans salaire, d'abord il n'a pas un matricule à la fonction publique 33 mois durant, il a 45 mois sans note d'intégration signée d'un premier ministre qui fait de lui un fonctionnaire, il n'a pas cette note-là, il commence à subir l'autre côté noir du métier d'enseignant. Et dans la zone où il exerce, il n'y a pas de courant électrique, il n'y a pas d'eau. Il y a deux bâtiments qui servent de salle de classe, encore qu'il faut enseigner avec un gourdin à la main parce qu'en plein cours, il est parfois surpris de voir des reptiles entrer dans sa salle de classe. Et quand il y a une pluie qui tombe, ben dis donc, l'école s'arrête. C'est dans cet environnement-là que Nyeklé va commencer sa carrière. Et pour la belle histoire, il est le voisin de son proviseur, du moins de son directeur de CS, qui habite dans une chambre, comme tous les autres collègues, et qui prépare au feu de bois. Je décris cet environnement pour montrer la difficulté de début de carrière de ce jeune fonctionnaire qu'on appelle Nyeklé. Et je vous signale, soit dit en passant, que Nyeklé est marié. Il s'est marié à crédit parce qu'il a une jeune étudiante qui aspire aussi au métier d'enseignant, puisqu'à la fin de l'œuvre, elle est enseignante elle aussi. Il s'est marié à crédit, il est père de quelques enfants, il faut subvenir aux besoins de ses enfants, il faut payer le loyer, il faut se nourrir, il faut se vertir. Nyeklé comptait espérer sur sa fin du mois, il est passionné, il a la volonté, la foi, mais malheureusement, il n'a pas les moyens de sa politique. C'est un peu donc l'histoire de ce début de carrière de ce jeune enseignant, de ce jeune fonctionnaire. Et cela est valable pour tous les autres corps de métier, parce que lorsqu'on sort d'une école de formation, on aspire, on espère tout de suite un salaire. Ce n'est pas le cas dans le pays Toulindon et surtout dans le corps de métier d'enseignant que nous appelons ici comme les mal-aimés de la fonction publique. Alors, même si vous faites un plein phare sur le métier d'enseignant, sur les déboires du métier d'enseignant, il faut rappeler ce que vous soulevez aussi au travers de cette histoire que vous racontez très bien pendant ces 11 chapitres qu'on peut parcourir dans cet ouvrage. Vous soulevez un nombre de tares
problème de développement, de nos, le problème de développement, d'urbanisation, le problème des routes qui mènent dans nos... Mais ce qu'on relève encore, c'est ce problème de décentralisation. Parce que Niégeléa, à un moment donné, est obligé de faire, du moins pour refaire sa paperasse, est obligé de revenir sur Yaoundé, quelle que soit la paperasse, aussi mineure soit-elle. Vous revenez sur cet art-là, quel est en fait le message que vous voulez faire passer lorsque vous soulevez tous ces différents mots? Général, ici, il y a comme une sorte d'une inadéquation entre les décrets et le terrain. Vous voyez, l'administration décide de créer un CS, de créer un lycée. Mais parfois, on n'a pas encore trouvé le site et parfois, il n'y a pas d'infrastructure. Voilà un premier problème. Ça veut dire que parfois, on n'a pas eu le temps de faire des études. J'ai parfois envie de dire que ce sont des établissements politiques et politisés. Parce que lors d'une campagne, on a promis des choses, il faut pouvoir les réaliser. Et c'est le cas d'Abidima parce que ce CS sur le papier existe, mais sur le terrain, il n'y a aucun bâtiment. La preuve, c'est que le surveillant général a pour bureau un manguier, puisqu'il a son bureau sous un manguier, et le proviseur n'a pas de bureau administratif. C'est dans sa chambre. Est-ce que quelque part aussi, c'est pas parce que peut-être on n'a pas eu le temps, ou du moins les villageois n'ont pas accepté de donner le terrain pour le projet en question? La petite enquête que nous avons menée, ce n'est toujours pas ça. Du moins, les villageois ont besoin des écoles, mais seulement le gouvernement ne construit pas tout de suite ces écoles-là, parce que je dis encore qu'il y a une inadéquation entre le décret qui est signé et ce qui doit être fait sur le terrain. Parce que sur le papier, le CS l'est construit, mais sur le terrain, on n'a pas de bâtiment. Et il faut donc envoyer des enseignants pour travailler dans ces conditions-là, parfois qui n'ont pas de logement. Il y a des villages à Tolindo où vous n'avez pas où habiter. Et c'est le cas à Bidima où on est obligé d'avoir 2, 3, 4 enseignants à de la fonction publique squatter dans une même chambre. C'est d'abord le premier problème qui est soulevé. Maintenant, la question d'infrastructure, la question de développement, la question de route. C'est vrai, je ne raille ici, nous sommes en Afrique. Il faut rappeler ici que lorsqu'on parle de routes dans l'histoire, vous faites bien d'illustrer lorsque Niégélé se prépare pour aller faire son premier voyage. Il y a cette dame-là qui lui dit, ben voilà, là où tu vas, il y a un directeur d'établissement qui est mort parce que le pont a lâché. En fait, c'est votre manière d'illustrer ce problème de route. Alors, je suis tenté de vous poser la question, à qui la faute? La faute à tout le monde. La faute à tout le monde et on va commencer par les gouvernants parce qu'en réalité, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui ont pour charge de subvenir aux attentes, du moins de répondre aux attentes de la population. Et dans Abidima, la route qui mène à Abidima est scandaleuse. La preuve, c'est que pour un véhicule prévu pour 5 places, vous avez 12 passagers. 12 passagers et c'est à prendre ou à laisser. On est parfois obligé de voyager assis sur le capot d'un véhicule. Et quand vous avez la chance de tomber sur ces petits véhicules IAS de 27 places, vous êtes 40 et c'est à prendre ou à laisser. Malheureusement, à Bidima, un pont a dû se casser avec un directeur qui sortait de Bidima pour rallier Malabo. Le pont s'est cassé et il est mort avec sa fille. Bon, ça revient quand même à la question des infrastructures, à la question des routes qu'il faut construire absolument. Et malheureusement, on est en Afrique, ce n'est peut-être pas la belle excuse, mais il faut penser à cela. Il faut que l'infrastructure réponde aux attentes d'une population qui n'a besoin que de cela. Vous savez qu'il y a des coins à Tolindon où pour aller au travail, on est coincé. Vous n'avez pas de moyens, non seulement de communication, Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes coincé. Et c'est malheureusement l'histoire noire qui nous est racontée dans Alors, il y a un autre mal qui, quand même, aura attiré notre attention, que vous soulevez aussi, c'est ce phénomène de corruption. Alors, on a l'impression que tous ces mots cités et tout ce que nous vivons dans notre réalité aujourd'hui, c'est pas très différent. On a peine à croire que c'est une fiction. Est-ce que véritablement cette fiction, du moins cette histoire, ne serait pas tirée d'une histoire quand même vécue, réelle? L'écrivain puise
parfois son inspiration dans le vécu, dans le quotidien. C'est pour cela que Sigmund Freud dit que l'œuvre littéraire est l'expression fantasmée et stylisée du vécu d'un homme. Je me suis inspiré de la société qui est mienne, je me suis inspiré des histoires que m'ont racontées mes collègues de service, je me suis inspiré de mon histoire personnelle pour écrire cette œuvre-là. À Toulindon, il y a tout un ministère qui a vu le jour, qu'on appelle le ministère du pourcentage. Et Nyokle, pour espérer avoir ce rappel qui n'aura malheureusement pas tout au long de l'ouvrage, a dû négocier à 20%. Nyokle, pour avoir son non-logement, a dû négocier à 10%. Nyokle a dû faire 7 fois le dossier de prise, de sa prise en charge à la fonction publique. Voilà un dossier qui a disparu 7 fois. Il a dû faire 2 fois le dossier d'intégration à la fonction publique. Il se pose ici le réel problème de la lenteur, j'ai failli dire même des lenteurs administratives. Il faut partir du fin fond du village pour suivre un dossier à Oundéa. Et suivre son dossier veut dire rencontrer quelqu'un qui est l'intermédiaire d'une autre personne et vous ne savez même pas à la fin où votre dossier se trouve. Dieu merci, au Cameroun, c'est en train de se résoudre parce que avec le phénomène de la décentralisation, avec le phénomène des régions, on est en train de vivre, ce n'est pas encore pratiqué, mais on est en train de vivre le cas du ministère des enseignements secondaires, on est en train de vivre de manière latente ces phénomènes-là, mais ce n'est pas encore ce qu'on attend. Nyokle attend de manière désespérée son avancement. Junior Aïssi, il y a des fonctionnaires qui ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans de service sans un seul avancement. Il est du devoir de l'écrivain de dénoncer. Il est du devoir de l'écrivain d'afficher, de dire de manière sincère ce qui se passe, quitte à ce que les décideurs prennent acte de ce qui est écrit. Et je voudrais dire quelque chose de sérieux. Nous sommes dans Canal 7, c'est une télévision très sérieuse. Ce que dans d'autres pays, la littérature a œuvré, a développé le pays. La littérature a œuvré à transformer les mentalités. La littérature, prise de manière sérieuse, a contribué à l'épanouissement d'un pays. Et nous, on a choisi la littérature pour apporter notre modeste contribution à l'avancement de notre très cher beau pays. Alors, nous reviendrons naturellement sur la littérature, son rôle forcément dans notre société actuelle. Mais je voudrais rapidement qu'on essaye de feuilleter cet ouvrage. Et qu'on essaye de comprendre, aujourd'hui vous parlez de l'enseignement, vous dénoncez un certain nombre d'états. Si on considère la littérature étant c'est-à-dire que quelqu'un, un auteur aura dit l'engagement littéraire c'est dans une certaine éthique, c'est-à-dire dénoncer les mots et proposer des solutions. Ouais. Ici vous avez dénoncé, est-ce que vous proposez des solutions ou du moins quelles sont les solutions que vous proposez aux différents mots que vous soulevez? Il y a la corruption, entre autres, il y a l'état des routes, il y a la décentralisation, il y a les conditions de vie de l'enseignement. Qu'est-ce que vous préconisez? Il y a un lecteur enseignant qui m'a dit, professeur, tu as réussi à motiver l'enseignant que je suis. Mm. Tu as réussi à galvaniser ce fonctionnaire qui avait perdu l'amour du travail. Mm. La première mission de cette œuvre, c'est de susciter en l'enseignant l'esprit de patriotisme, la conscience professionnelle. Est-ce que c'est possible dans notre réalité? C'est possible et c'est réalisé. Mmh. Parce que vous avez des enseignants qui ont 3 ans, 4 ans sans salaire. Demandez-vous comment ils vivent, mais ils sont dans les salles de classe. Est-ce que ils la enseignent. Passion, la motivation, est-ce que c'est pareil qu'au début? Ça ne suffit pas. Ce serait malheureux de dire qu'on a la même maniaque, la même volonté quand on sort d'une école de formation, parce qu'à un moment donné, ça s'effrite. Mmh. Mais quand vous avez votre salaire qui sanctionne de manière positive le travail que vous avez abattu, c'est important. Quand vous avez un profil de carrière qui est respecté, vous savez qu'après 5 ans de service, vous pouvez être surveillant général. Après 7 ans, 8 ans de service, vous pouvez être censeur, vous pouvez être proviseur, vous pouvez être animateur pédagogique, etc. Ça vous donne l'envie d'aller de l'avant. Quand vous avez l'ascension positive, parce qu'il est très facile de faire une lettre, une demande d'explication en ancien. C'est très facile pour les proviseurs et tous ceux qui sont au lycée. C'est très facile de rédiger, mais personne ne cherche à comprendre comment vit l'enseignant. C'est très facile de demander à un ancien d'aller dans une salle de classe. On ne sait pas si ses propres enfants ont mangé.
On n'est pas au courant de savoir si ses propres enfants vont à l'école. C'est très facile. On n'a pas soigné d'abord l'enseignant. Tout ce que le gouvernement attend, tout ce que les décideurs attendent, c'est les résultats. On n'a pas vu le problème à la base. Alors, première solution, c'est de trouver un salaire adéquat à l'enseignant dès sa sortie d'une école de formation. Parce que en Afrique, lorsqu'on envoie un jeune, un enfant faire ses études, c'est comme un cultivateur qui attend récolter dans un champ. Nous sommes des champs pour nos parents. Et à la fin de vos études, et quand vous avez le privilège, la chance d'avoir un métier, il faut bien que vous viviez de ce métier-là. Première solution, donc, Junior a ici, que le salaire suive. Deuxième solution, qu'il y ait un profil de carrière. Troisième solution, que les textes signés par l'État de Toulindon, je reste dans mon œuvre, soient respectés. Parce que si le statut de l'enseignant n'est pas respecté, si la condition de l'enseignant n'est pas respectée, valorisée, on aura les résultats que l'on a là. On les aura. C'est un peu comme on attend d'une équipe nationale qu'elle gagne une Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on en arrive là? C'est un peu tout cela qui est décrié dans cette œuvre-là. Parce que si l'enseignant était respecté, si l'enseignant avait son statut respecté et pris en charge, je suis sûr qu'on ne tomberait pas dans tout ce récital, dans tout ce chapelet de misère, dans tous ces indigénats, dans tout le regard misérabiliste qu'on accorde aujourd'hui à l'enseignant qui, il faut le dire, est au début et à la fin de tout processus de développement. Un pays qui n'a pas un système éducatif puissant, un pays qui n'a pas des enseignants de valeur, qui ont de la matière grise, ne peut pas avancer. Alors, sortons de Toulindon, vous permettez. Oui. Essayons de revenir à notre réalité, la réalité de la société dans laquelle nous vivons, le Cameroun. Il y a un buzz actuellement, d'un artiste, je ne voudrais pas citer son nom ici, qui, je ne vais pas dire qu'il défrait la chronique, mais qui est en train de devenir pratiquement le top modèle ou le mannequin d'une certaine genèse. Avec ce genre d'image, est-ce que véritablement un enfant peut encore rêver ou peut encore avoir pour modèle un enseignant? La Bruyère disait que chaque artiste remet la société ce que la société lui a donné. Je voudrais parler entre guillemets de cet artiste, on ne va pas le nommer ici, qui ne fait que rendre la société ce que la société veut entendre. C'est comme ça la société, et c'est comme ça le monde des artistes. Vous devrez si c'est donc le cas, quelle est la place de l'enseignant? C'est peut-être le bémol, du moins, ce qui devrait choquer. Parce que si on avait accordé un intérêt à l'éducation, à l'instruction, on ne serait pas à ce niveau-là. Parce qu'une société qui n'est pas éduquée, qui n'est pas instruite, et ces deux éléments reviennent à la famille, socle de toute société, et à la fin, à l'enseignant qui est le guide d'une société, tout à fait, on n'aura pas une société qui va réussir. Vous voyez donc à quel niveau on a placé, du moins, le rang de l'enseignant et de l'enseignement aujourd'hui. Tout est devenu facile. Tout est devenu argent. Tout est devenu qui tu es. Rien à voir avec le bagage intellectuel. Encore qu'il faut encore s'interroger sur le bagage intellectuel. Au Cameroun, dans beaucoup de pays africains, on a des diplômés, mais on n'a pas des intellectuels. Charles Attebé, il nous disait encore, paix à son âme, l'intellectuel n'est pas celui qui a un diplôme, mais l'intellectuel, c'est celui qui est capable de rendre compte de son diplôme. Quel BEPC avons-nous aujourd'hui? Quel probatoire avons-nous aujourd'hui? Quel baccalauréat avons-nous aujourd'hui? Quelles sont les licences? Est-ce qu'on fabrique dans nos universités? Nos docteurs sont-ils vraiment des docteurs? C'est la question qu'on doit se poser. Et pour résoudre, pour répondre à cette question-là, il faut partir dès la base. J'entends par base le ministère de l'Éducation de base. Ça commence dès la maternelle. Ça commence depuis l'école primaire. Donc, vous regardez à quoi ressemblent nos éniéges. Vous proposez en fait une reformation du système. Une refonte du système éducatif. Je voudrais saluer le travail qu'a commencé à battre le ministre de l'Éducation de base, le professeur Charles Etoundingwa, que je suis de manière particulière parce que je suis impressionné par le travail de ce monsieur. Parce que je me dis, c'est à la base. Il faut que le produit de l'école normale d'instituteurs, des énièges, soit
d'autant plus prêts, mieux formés, capables de transformer le jeune apprenant qui est un tabula rasa. C'est depuis l'école primaire. Mais quand c'est fauché, dès cette base-là, au lycée, c'est difficile, à l'université, c'est irrécupérable. Je vais peut-être livrer un secret. Savez-vous qu'on a parfois des élèves en classe de sixième qui ne savent ni lire ni écrire. Or, s'il ça existe, or, s'il veut dire section d'initiation à la lecture. Mais si en sixième, vous avez un élève qui n'a pas de niveau, comment a-t-il fait pour avoir un CEP? Voilà. Si en cas de terminale, on a des bacheliers qui ont du mal à construire une phrase française, on se demande qu'est-ce qu'ils seront quand ils arriveront à l'université. Donc, il faudrait une refonte de notre système éducatif en termes de professionnalisation. C'est en train d'être fait. Il faudrait qu'on sorte des tiroirs du discours, de la théorie, mais qu'on passe désormais à la pratique. Parce que c'est le problème que nous avons dans ce pays. Encore on est plus des théoriciens que des pratiquants. Encore qu'on pourrait se poser cette question paradoxale, c'est-à-dire que le Cameroun est l'un des pays où on a de plus beaux textes, de plus beaux discours, mais malheureusement où on peut avoir encore des personnes en niveau licence qui ne savent pas constituer des phrases en français. Quelqu'un m'a rappelé, Junior Haïs, c'est que chaque gouvernement, chaque État a ses priorités. Et qu'actuellement, dans notre pays, la priorité n'est pas l'enseignement. La priorité n'est pas le diplôme. Les priorités sont ailleurs. Je ne pourrais pas les nommer. C'est parce que si la priorité, c'était le système éducatif camerounais, si la priorité, c'était notre enseignement, je suis sûr qu'on accorderait autant d'intérêt, autant d'attention. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si chacun, du moins si chacun dans son domaine, essayait de tirer, de réclamer tel que vous le faites, les magistrats par là, les avocats par-ci, les enseignants et tout, est-ce qu'à un moment donné, on ne serait pas en train de ne pas savoir où aller finalement? J'aime bien le mot politique. Politique veut dire capacité de gérer la cité. Ça suppose que ceux qui nous dirigent, voilà, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gèrent, sont préparés à cela, ont tous les outils qu'il faut pour en arriver là. Maintenant, nous avons un livre qui traite la question spéciale de l'enseignement dans un pays tolindon. Je préfère parler de ce corps de métier que je maîtrise assez. Voilà, que je maîtrise assez. Donc, maintenant, tous les autres corps de métier sont appelés à... Peut-être aussi à rédiger. Non, pas à rédiger, parce qu'arrêter le pas dans l'ensemble de la question du fonctionnaire, mais de manière spéciale du fonctionnaire à enseignant. Mais les autres corps de métier n'ont pas les mêmes problèmes que les enseignants. Dans certaines écoles de formation, on est boursier depuis l'école de formation. Dans certaines écoles de formation, on a un profil de carrière. On sait ce qu'on sera après un an, après deux ans, après trois ans. On a son salaire dès qu'on est sorti de là. Mais dans certains corps, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'étudiant qui sort de l'ENIEJ est intégré tout de suite? Non. Est-ce que le professeur qui sort de l'école normale a son salaire tout de suite? Ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas d'ailleurs évident. Donc, je préfère parler des enseignants dans cette œuvre de manière spéciale. Antoine Bovard-Zanga, auteur de « Tais-toi et enseigne », c'est un aux éditions Proximité. Je tiens à vous rappeler que vous aussi qui nous regardez à la maison, vous pouvez participer par SMS uniquement au 6 99 80 87 59. En fait, ce numéro est affiché au bas de votre écran et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes Facebook, Canal 7 Harmonie. Et nous continuons notre balade littéraire avec notre invité de ce soir. Antoine Bovard-Zanga, vous avez fini un travail de la nuit, du moins. Vous avez finalisé avec la nuit. Maintenant, vous êtes sorti en plein jour pour passer un message. C'est quoi la suite? La suite en 2020, si tout se passe très bien, c'est Des noces amères. Des noces amères. Des noces amères, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune du pays Tolindon, j'aime bien ce pays-là, qui s'appelle Ruben Akiadia. Il arrive à Poulassim, il a 23 ans, il a bénéficié d'une bourse. Malheureusement, après sa formation, puisqu'il devient titulaire d'une licence en sciences politiques, il doit retourner dans son pays Tolindon, chose que ne veut plus admettre Ruben Akiadia. Comment faire donc pour avoir ses papiers? On lui a fait savoir par l'entremise de sa sœur Eyanga, qui allait à Poulassim bien avant lui, qu'il faut tout faire pour épouser une Poulassienne. Il va donc fabriquer un mariage, parce que c'est un mariage en blanc, avec Marguerite Yourcenar,
qui est bien riche parce qu'elle est la femme de Charles Dupont, décédée. Elle a 75 ans. Malheureusement, elle est atteinte d'un cancer de l'utérus. Mais au nom des papiers, il va devoir s'amouracher. Il va devoir vouloir faire sa vie avec Marguerite Yourcenar. Ça ne va durer que 5 ans. Après, celle-ci va mourir de suite d'un AVC. Et la suite est spectaculaire. Je vous invite à la lecture dans un an. Alors, ce qui nous marque encore davantage, c'est cette touche d'humour que vous avez, que ce soit dans le choix des noms, que ce soit de vos villages, que ce soit du moins, que ce soit des lieux, des milieux et même des personnages. Comment vous vient cette imagination avec cette touche d'humour-là? Tolindon, Bidima, tout ça. Junior Aïssi, l'œuvre littéraire est d'abord l'expression des belles-lettres. Mmh. Au-delà de la volonté de transmettre un message, il faut un peu d'esthétique, mmh. Il faut de la fiction, il faut susciter du rire, il faut séduire, émouvoir et plaire mmh. au lecteur. C'est ce que nous nous démenons à faire parce que André Gide dit que c'est avec des bons sentiments que l'on fait la mauvaise littérature. C'est pour cela que même malgré la volonté, du moins de la volonté qui nous anime à véhiculer, à transmettre un message, on garde le souci premier de la littérature, celui de séduire mmh. nos lecteurs, d'amuser. C'est pour cela que toutes nos œuvres sont des moments de plaisir. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, mais tu m'as fait rire en plein bureau, tu m'as fait rire en pleine réunion. C'est aussi la littérature. Il faut plaire, il faut amuser, il faut susciter un peu de rire. Alors, le premier, du moins, Les Hommes de la Nuit, fin d'édition, vous pensez à rééditer cet ouvrage? Oui, il y aura une réédition d'ici 2020, mais pour que les œuvres ne se marchent pas, parce que nous sommes dans une politique de faire paraître une œuvre par an, nous nous disons certainement en 2020-2021, on va rééditer Les Hommes de la Nuit. Et on est très content, et c'est l'occasion de dire merci à nos nombreux lecteurs, parce qu'on a reçu des critiques. C'est la critique qui fait vivre le lecteur. Et donc, on est très fiers de vous, Général, ici, pour vos conseils, vos critiques. C'est ça qui fait vivre le lecteur. On a reçu des lecteurs qui nous ont démontré que notre œuvre était spectaculaire, qu'il y avait quelque chose à résoudre. Ça a déjà été fait, dont la réédition sera davantage séduisante que... Alors, on voit en vous ce soir un auteur passionné, un auteur content de ce qu'il fait. Est-ce que véritablement le contexte social, revenons à ça, sortons toujours du Tolindon, est-ce que le contexte social permet véritablement à l'auteur que vous êtes de garder cette passion, de rester motivé au quotidien tel que vous l'êtes? J'ai un homme d'affaires qui m'a dit un jour que si vous voulez être riche, ne soyez pas enseignant, ne soyez pas écrivain. Alors moi j'écris. Vous avez donc choisi pratiquement des couloirs qui... Moi j'écris parce que j'aime ça. J'aime l'écriture et le gain pécunier, du moins les finances. Je ne dirais pas que ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas la priorité. Le plus grand bonheur, c'est de savoir qu'on est en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement de notre pays. Mmh. Et nous, on a choisi un couloir, c'est celui de l'écriture, dont l'écriture, c'est ma passion. C'est l'un des moments phares de ma vie en dehors d'être avec mon épouse et mes enfants. Mmh. C'est l'un des moments qui me passionne. C'est pour cela que nous, on écrit, pas pour chercher de l'argent. Parce qu'en réalité, si vous écrivez pour vous faire de l'argent, a priori, vous ne serez pas un bon écrivain. Mmh. Mais si vous écrivez parce que vous aimez ce que vous faites, et quelqu'un l'a dit, Thomas d'Aquin a dit que quand vous faites ce que vous aimez, vous ne souffrez pas. Mmh. Et quand j'écris, je ne trouve aucune souffrance. Bien au contraire, l'altruisme de l'écrivain m'amène à me réjouir de ce que j'ai véhiculé un message, de ce qu'on a aimé, ce que je fais, et c'est la plus grande satisfaction. Mmh. Mais à la fin, ce livre peut vous permettre de vivre. C'est la plus belle chose, parce que pour faire publier un ouvrage, c'est de l'argent. Et vous savez qu'au Cameroun, ce n'est pas la chose la plus aisée. Oui, c'est en termes de millions qu'on se fait publier au Cameroun. L'édition à compte d'éditeur a pratiquement disparu, parce qu'on publie pratiquement à compte d'auteur ou semi-auteur. Donc il faut avoir de l'argent pour se faire publier. Et nous, on se sacrifie pour en arriver là. Et ça nous fait du bien. Nous espérons que les pouvoirs publics, nous espérons que les lecteurs vont nous accompagner dans ce sens-là. En restant sur les pouvoirs publics, que pensez-vous de la littérature au Cameroun? Pour être honnête avec vous, c'est à saluer.
C'est assuré parce que quelqu'un nous a laissé croire qu'on ne lisait pas au Cameroun. Les Camerounais lisent énormément. Ils lisent énormément, vous n'avez qu'à voir le nombre d'éditeurs. Les maisons d'édition se créent au jour le jour. Ça suppose donc qu'il y a des lecteurs. Je voudrais féliciter et saluer le travail de l'ancien ministre écrivain qui a changé de portefeuille. Voilà. Et le nouveau ministre qui est dans son domaine, le docteur Bidongpat, est dans son domaine. Salue leur travail parce que grâce à eux, la littérature est en train de sortir des sentiers battus. C'est déjà intéressant d'aller à davantage des salons de livres au Cameroun. On voudrait davantage que le livre soit célébré, que l'écrivain soit reconnu, que l'écrivain vive de son art et que les gens retombent encore dans l'ancienne habitude de la lecture, parce que on est beaucoup plus dans les réseaux sociaux, c'est aussi la lecture, mais c'est une lecture numérique. Le papier commence à mourir, c'est dangereux. La lecture est devenue beaucoup plus audio, on n'a plus envie d'écouter, on aime plus écouter que de lire. Saluons quand même les efforts du gouvernement pour ce qui est en train d'être fait. Alors, et l'édition, il faut dire que vous avez... on peut dire une belle expérience, ou du moins une certaine expérience de l'édition au Cameroun. Qu'en pensez-vous? Pour avoir publié à l'Armatan Cameroun, on a eu une autre expérience. Maintenant, on est rentré au Cameroun avec un éditeur camerounais, édition Proximité, avec François Nkémé. Tout se passe très bien jusqu'ici. Mais c'est pas facile parce que on a parfois le sentiment que certains éditeurs n'accompagnent pas les auteurs. Le livre est né, mais le livre doit grandir, le livre doit vivre, le livre doit se faire connaître. Parfois, c'est l'écrivain lui-même qui se démène autant qu'il peut pour se faire connaître. Et raison de plus pour nous de remercier des espaces comme Canal 7 qui nous accompagnent dans ce monde-là. Donc, l'écrivain n'est pas abandonné à lui-même. Le livre parfois se meurt et un livre qui n'est pas lu n'existe pas. Un écrivain qui n'est pas connu n'existe pas. Sous d'autres cieux, on voit la place que la littérature occupe dans certains pays. On espère que ce sera davantage le cas au Cameroun. Antoine Bovazanga, merci. Mais avant de sortir, forcément, il nous reste encore quelques minutes. Vous savez, cette émission, il y a un rituel. Cette rubrique, mes préférences. Alors, on va vous poser une ou deux questions dans cette rubrique. Quel est le premier livre que vous avez lu et à quel âge? Là, nous sommes à l'école primaire, nous avions... Non, au lycée. Il y a un livre qui m'a intéressé au lycée, je suis en classe de quatrième. Le premier? Oui. Bon, du moins, il y a eu des livres, mais le livre qui m'a marqué, je ne l'ai jamais oublié. Nous sommes en classe de quatrième et on avait à l'époque mon livre unique de français. Et il y a un texte, « Un amour impossible » et « Binto » et « Muriel ». Jusqu'à aujourd'hui, je recite quelques fragments, quelques extraits. « Mon cher Binto. Quand je pense à ta démarche gracieuse, à ton sourire malicieux, au port a-t-il ton corps. » Vous voyez, ce sont des extraits. J'imagine que c'est de là que vous avez pris cette éloquence. Bon, je l'espère, mais c'est un livre qui m'a... Cet extrait, ce texte de... J'ai oublié le titre du livre m'échappe. Mais les frasques des Binto, voilà. Les frasques des Binto, c'est un texte écrit d'un Sénégalais, l'auteur m'échappe, qui m'a beaucoup marqué. Bon, maintenant... J'ai lu Élise Mbala, Une nuit dans les six sombres, publié aux éditions L'Armatan. C'est un livre de près de 175 pages. C'est un livre captivant. J'ai salué la qualité du texte de cette grande dame. Je crois qu'elle est mère. Et je rêve un jour la rencontrer pour lui dire que, madame, votre livre est intéressant. J'ai lu Qu'enseigne le palmier de Charlie Gabriel Mbok, je préfère citer les auteurs camerounais. J'aimais cette capacité, cet écrivain, ce grand auteur, cet anthropologue camerounais, à mixer la modernité aux éléments traditionnels. Voilà. Bon, mais les autres livres, les Victor Hugo, Aimé Césaire, c'est normal qu'on commence par lire ces grands écrivains-là. Je suis impressionné par l'écriture de Casbella, qui est une grande dame qu'il faut respecter dans ce livre. Quel est votre auteur, l'auteur qui est pour vous comme un modèle? Bon, je ne sais pas si j'ai un seul modèle, mais parce que je suis professeur de français et que... Vous avez trahi ce secret. Voilà, que j'enseigne bel ami de Guy de Maupassant, qui sait vous dire la réalité telle qu'elle est. Quand vous lisez bel ami, vous avez l'impression de voir ce que vous lisez. Je n'ai pas un écrivain particulier, mais je lis tout le monde. Je suis impressionné par l'écriture d'Alain Mabankou, quand vous lisez Vercassé, quand vous lisez l'histoire de Porc-Épic. Ce monsieur qui ne respecte aucune norme dans l'écriture, vous voyez, vous avez un texte de 300 pages qui n'a pas de point,
On a des virgules, mais il n'y a pas de phrases ponctuées. C'est spectaculaire, c'est spectaculaire. Mais je n'ai pas un modèle d'écrivain fixé en tant que tel. Je lis tout le monde, je m'inspire de l'écriture de tout le monde pour grandir, parce qu'il faut copier, il faut imiter, il faut lire les grands pour espérer devenir grand un jour. Quel est votre livre de chevet? La Bible. C'est le livre sacré. Tout est dans la Bible. Et j'aime bien les textes de Salomon, j'aime bien les textes de, voilà, j'aime bien les textes de Matthieu, j'aime la Bible. C'est le livre de quiconque veut mener à bien une vie d'écrivain, parce que c'est un livre plein d'explicites, plein de sous-entendus. Allez, multipliez-vous. On ne sait pas ce que ça veut dire à la fin. Et vous voyez que c'est le seul livre. Vous êtes sûr qu'on ne sait pas ce que ça signifie? Parce que chacun interprète comme il pense. Et vous voyez que c'est le seul livre qui ne met pas d'accord tout le monde. Vous vous rendez compte qu'on peut inviter 50 pasteurs pour 50 églises différentes. Si on apportera la même livre, si on va le même livre. Parce que chacun essaie de tailler la Bible selon. Voilà, on apportera le même livre que la Bible, mais chacun aura son interprétation. Je parlerai aussi du Coran. Ce sont des livres sacrés, mais qui divisent tout le monde parce que chacun a son interprétation, chacun a son septième jour, chacun a sa communion, chacun a son inspiration, chacun lit la Bible comme il entend dans un livre. Quel est le dernier ouvrage que vous avez lu, ou du moins que vous êtes en train de lire? Actuellement, je suis en train de lire La maîtresse du ministre. C'est un livre de 622 pages. Le nom de l'auteur, malheureusement, m'échappe, mais je crois qu'elle s'appelle Soma, c'est une dame. Un livre intéressant, je l'ai téléchargé sur... C'est un roman sur Internet, c'est une Camerounaise qui raconte les dédales des ministères compliqués, qui raconte les questions de prostitution et qui montre aussi le côté fragile, fébrile des hauts fonctionnaires, des dirigeants et des ministres. La maîtresse du ministre, c'est un excellent livre. Antoine Bovar-Zanga, auteur de plusieurs ouvrages, deux romans particulièrement, Antoine, Tais-toi et enseigne, et Les Hommes de la Nuit, Tais-toi et enseigne, livre paru aux éditions Proximité, Les Hommes de la Nuit, livre paru aux éditions Armatan. Juste vous dire que il y a eu quelques événements littéraires cette semaine. Mardi dernier, par exemple, c'était la dédicace de l'ouvrage Ni Courtisan ni Flagorneur de l'ancien gouverneur Abakar Ahmad. C'est un très bel ouvrage où il essaye de faire une compile de ses anciens discours. Du moins, c'est un ouvrage où il nous demande, où il essaye de nous donner des méthodologies de rédaction des discours administratifs. Aujourd'hui, il y a le centre de promotion du livre en Afrique au sud du Sahara, le CREBLA en abrégé, qui organise chaque deuxième et quatrième jeudi, donc deux fois par mois, des débats autour d'un livre. Et aujourd'hui, au Centre culturel camerounais, il s'agissait de débattre autour du livre de l'auteur Louis-Christian Mintia, Le pays de mes rêves. Et il y a cela deux semaines, on débattait autour de l'ouvrage de Francis Bichoka, Le solidarisme. Vous y êtes d'ailleurs invité parce qu'il sera peut-être question là-bas de débattre sur vos différents travaux littéraires. Alors, merci. Qui est la cible de cet ouvrage? Tous les lecteurs. Tous les lecteurs. Oui, mais d'abord les étudiants, les enseignants, les amoureux de la littérature. Où peut-on trouver cet ouvrage? Édition Proximité, je crois que c'est dans tous les librairies au Cameroun. Ou alors, vous rencontrez l'auteur sur ma page Facebook, Antoine Bovar-Zanga. À défaut de m'appeler au 694 28 27 53, et vous avez votre ouvrage dédicacé. Vous avez votre ouvrage dédicacé. Combien écoute? Écoute, 3000 francs CFA. 3000 francs CFA. Seulement. Seulement. Ah, il est à la portée de tous. Voilà. Antoine Bovar-Zanga, merci. Merci, Junior Aïssi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Hein, merci d'avoir honoré, de nous avoir honoré par votre présence ce soir. Nous espérons vous avoir dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent avec de nouveaux projets. Vous nous avez dit en 2020. On aura des noces amères, préfacées par le professeur. L'ouvrage est déjà dédicacé? L'ouvrage des noces amères. Non, tais-toi et enseigne. Pas encore. Nous avons un projet
pour l'école normale supérieure de Yaoundé. Nous attendons juste l'accord de monsieur le directeur pour qu'il y ait une dédicace à l'école normale supérieure. Peut-être enseigner à l'école normale supérieure de Yaoundé. C'est notre souhait. Ah, d'accord. J'espère qu'on sera de la partie. Ouais. J'espère que toute l'équipe de Littera sera de la partie pour essayer de relayer au quotidien ce message que vous voulez faire passer aux futurs enseignants. Merci à vous, à la maison, de nous avoir regardés. Merci de rester fidèles au programme de Canal 7 Harmonie. J'étais Junior Aïssi, c'était Littera. Bonsoir.